se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un Corona vlog, le troisième de ma petite série. On se retrouve en ce deuxième confinement pour un nouveau petit vlog où je vous montre ma journée de confinement. Il est actuellement 11h50 je crois bien et je me suis levée il y a pas si longtemps que ça en vrai. En ce moment je me lève assez tard, c'est désastreux. Mais c'est parce que je me couche tard. Et en fait le problème c'est que quand tu te couches tard une fois, après c'est trop dur de se recoucher tôt. J'ai bien mangé, je me suis lavée et je suis habillée. Du coup voilà, aujourd'hui je vous emmène dans une petite journée avec moi en confinement. Du coup au niveau du programme de la journée, déjà faut que je m'occupe de mon IGTV pour 16h30. Donc voilà, aujourd'hui on est mercredi, je vous ai même pas dit la date. On est le 4 novembre. Du coup voilà, j'ai un IGTV à poster aujourd'hui sur Instagram. Je l'ai filmé hier, faut que je le monte et du coup que je le poste pour 16h30 sur mon Insta. Ensuite faut que je m'occupe de ma vidéo pour ce vendredi. Donc je l'ai déjà filmé hier soir et maintenant du coup faut que je la dérush, que je la monte, etc. Puis après vient les choses classiques que je fais dans ma journée, c'est à dire manger par exemple, mais également faire un petit peu de sport. J'ai en partie le seum du confinement pour le fait que je n'ai plus danse, le fait de ne pas avoir fait de sport pendant à peu près 5 mois, 6 mois. Forcément ça se répercute sur mon physique, donc je sens que, je sais pas si j'ai pris du poids, mais en tout cas je vois que j'ai un peu grossi. Du coup il faut forcément que je me dépense un petit peu. J'ai déjà essayé un nombre incalculable de fois de faire du sport chez moi toute seule, genre le truc classique, genre tu te mets un entraînement de sport, des abdos, des pompes. J'arrive pas à le tenir, genre ça me saoule, au bout d'un moment j'arrête. Déjà mieux que rien, je vais jouer à Ring Fit Adventure sur la Switch. Voilà, du coup c'est mon seul sport que je vais effectuer. Du coup je vais passer au montage de mon IGTV, mais avant ça je voulais vous montrer mes magnifiques boucles d'oreilles. Je vous avais promis que j'allais vous en reparler. Donc voilà, Anna Louisa m'a re-envoyé des boucles d'oreilles, je suis super contente de recollaborer avec eux. Donc là vous avez deux paires différentes, il y a les éclairs et la lune. Puis de l'autre côté vous avez le deuxième éclair, puis une espèce de petite étoile soleil. Du coup voilà, ils m'ont renvoyé trois paires de boucles d'oreilles. Je vous montrerai la troisième en close-up. Je suis très contente, je trouve que leurs bijoux sont vraiment super beaux. Ça fait vraiment partie de mes paires de boucles d'oreilles préférées. Moi je mets pas très beaucoup de bijoux, mais par contre des boucles d'oreilles j'aime beaucoup ça. Elles sont vraiment de archi bonne qualité parce que bah par rapport aux 4 paires de boucles d'oreilles j'avais déjà reçu il y a pas mal de temps déjà, elles ont archi pas bougé, genre elles sont comme neuves, elles ont pas du tout pris le temps. Cet été je suis allée à la piscine avec, ça leur a rien fait. Ça c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup en ce moment, qui sont assez tendance et tout, mais ils ont aussi des trucs beaucoup plus classiques, un peu des intemporels de boucles d'oreilles. Mais d'ailleurs ils ont pas que des boucles d'oreilles, hein, ils ont des bracelets, des bagues et des colliers. Je vous mets du coup en barre d'infos le lien pour accéder aux soldes de Black Friday parce que bah en ce moment c'est ils ont des soldes de Black Friday sur leur site. Donc voilà. Actuellement 13h33, j'ai fini mon montage de mon IGTV pour tout à l'heure. J'ai quand même flippé, hein. J'ai plus envie que Trump y reçoit élu. Allez s'il vous plaît, faites un petit effort. Bon les gars, du coup je me suis changée, je vous avais même pas montré mon outfit, mais du coup je vais vous le montrer dès maintenant. Très jogging, très confortable. Mon sweat c'est un Pull & Bear, mon col roulé blanc c'est un Bershka, mon jogging blanc je l'ai eu sur Vinted. Et puis après mon gros collier, je pense qu'on va me demander, il vient de chez Asos. Du coup je pense que je vais maquiller, donc on va faire ça tout de suite. Je mérite pas tout cet amour qu'on m'adresse. Je sais que tu mérites mieux, je sais que je suis plein de maladresse. Alors j'ai fait les dates de saumon. Oui. T'aimes plus vraiment. T'as chauffé mon cœur, non mais vraiment. Voilà. Pas très fort parce que je suis dans le couloir. Du coup, comme vous avez pu le comprendre, je vais aller chercher des lasagnes au saumon. Oui. Et puis je vais en profiter pour sortir un peu parce que, écoutez, moi, le confinement, je le respecte à merveille. Je ne sors jamais. En tout cas, je vais manger devant Gossip Girl bien évidemment, mais là en fait, j'ai vu une image, j'ai pleuré, je veux pas voir ça. Je vais commencer la saison 6, ça là, cette image en fait, ça m'a rappelé juste un truc horrible que je ne veux pas visionner. Ah,
ça me dégoûte. Recoucou, il est actuellement un peu plus de 17h, mon IGTV est donc bien posté. En vrai là ce qui me reste à faire de la journée, il faudrait que je fasse un peu de sport comme je vous ai dit et que je commence mon montage pour ma vidéo de vendredi. J'ai grave la flemme, je vais pas vous mentir. En tout cas là tout de suite j'aimerais bien prendre des photos pour mon Instagram parce que j'aime beaucoup ma tenue. Mais je suis trop nulle pour faire des photos, genre vraiment c'est pas mon truc. Du coup je sais pas trop où faire des photos, j'ai la flemme de sortir, je pourrais aller sur mon balcon. Donc j'ai certainement aller sur mon balcon, en plus là c'est un peu la golden hour donc très très bonne idée. Étonnant, ça a fini en mirror selfie du coup avec mon téléphone. Du coup je vais éditer tout ça et je vais poster sur Instagram. Venez me suivre, jette.godin, je pense que je vous le répète assez. En tout cas après ça je fais mon sport. Ça me met parce que je vous dis ça comme si j'allais faire une séance de ouf et tout alors que bah je vais jouer à Ring Fit quoi. Je pense sincèrement que je vais décaler mon montage à demain parce que j'ai un peu la flemme. J'ai pas TikTok mais genre je regarde tout le temps des reels et les reels en fait la plupart du temps c'est des gens qui repostent leur TikTok. Donc je suis vraiment genre, je suis matrixée par toutes les chansons qu'il y a en ce moment, enfin bref c'est une dinguerie. Je me suis coupée. Je me suis coupée comme si on se coupait avec une feuille. Genre ça fait un petit trait tout fin. Ah ça me... Ça, je sens que ça va être horrible. Non si je fais ça et que là... Ah ouais ok j'ai compris. Je deviens de plus en plus bête moi. Ça c'est fait d'avoir arrêté les études pour YouTube. 18h ça va être jouer à Ring Fit. Du coup je vais me changer parce que là c'est une tenue assez sportive. Je ne suis pas spécialement à l'aise de faire du sport dans ceci. Pour l'outfit, la brassière, je sais pas, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné. Mon jogging, c'est Adidas. En fait, avant de faire le sport, je fais déjà du sport. J'ai un peu honte que vous voyez que je suis sérieuse quand je vous dis que ça, c'est faire du sport. En fait, les jours d'avant, quand j'ai fait Ring Fit, j'ai joué au mode aventure, mais là, j'ai pris un programme fesses. Il est 19h30, écoutez j'ai fini Ring Fit depuis un petit bout de temps, depuis tout à l'heure je suis juste sur mon tel. Franchement je retire ce que j'ai dit, Ring Fit c'est vraiment cool. Du coup là je vais pas tarder à manger parce que j'ai vraiment trop la dalle. Puis après je pense que je vais peut-être jouer à Animal Crossing, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puis sinon je vais me mettre devant une série ou un truc comme ça. Mon repas est prêt, petite salade avec un pané tomate mozza. On va se mettre Gossip Girl en balle. Des vidéos de danse, je vais vous montrer une capacité de souplesse. Il est pas très tard, je pense qu'il est même pas encore minuit. Je vais aller au lit et je vais vous laisser dès maintenant parce que là apparaissait des heures sur mon ordinateur, je vais rien faire d'intéressant. Franchement vous avez de la chance, vous avez assisté à une journée plus ou moins productive. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et surtout diverti. Voilà, bon courage pour ce confinement. Ah putain on va faire genre c'est la fête chez moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.